personally, 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 personally. Personally, I rock your body. I promise you go home, you won't tell daddy. I give it to you like you never had it. Screaming, judging, chill like speaking Chinese. Now waiting me this, back a boom boom. Now waiting I see Zaga, cause she know one day. She talks so she know one day. I know go lie, the things within my mind. When I see you dancing, girl, you got me high. And if you wanna try, make a good day tonight. Cause I'm in the mood, as long as you feel personally, 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 I go deal with you. Personally, 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 I go deal with you. L'été touche à sa fin, ainsi votre soleil s'éclipse. Aujourd'hui, nous sommes là pour répondre à la grande question, question autour de laquelle ont tourné diverses prestations qui vous ont choyé, gâté durant tout l'été. Aujourd'hui, pour une dernière fois, la course, on est là pour la course et la caravane de soleil l'été passe, vous cherchez, soyez à bord. Bienvenue à vous téléspectateurs et surtout bienvenue à vous chers publics. Public composé des représentants de nos sponsors, des parents, des amis. Des applaudissements pour vous, public. On va combler vos attentes. Alors, la grande question qui est qui sera l'artiste de cette année va être répondue aujourd'hui à l'émission. Mais d'abord, comme vous savez, pour commencer la programmation, nous avons toujours les enfants de Jenny École de danse qui nous gâtent avec leur pas de danse. Je vous demande d'applaudir les enfants de Jenny École de danse. Soleil, la lutte pour la chance. Le soleil,
magnifiques, les petites filles de Jenny École de Danse qui exécutent leur pas de danse avec grâce. Encore une fois, je vous demande d'applaudir Jenny École de Danse. Le second show à l'émission, c'est avec nos juges. Vous les avez souvent vus en train de coller des 8, des 9, des 6 parfois, qui font pleurer nos enfants. Aujourd'hui, vous allez les découvrir sous un autre angle. Je vous demande d'applaudir Diana Mercier et David-Éric Pierre-Étienne. Cachés derrière leur pupitre, à coller des 8, des 9, des 6 qui font souvent pleurer les enfants. Mais derrière ce personnage, ils se cachent leur talent artistique. On les applaudit encore. Avant de commencer
À entamer les prestations, nous allons à présent observer notre toute première pause à l'émission. Restez avec nous. Soleil d'été, soleil d'été, soleil d'été, soleil d'été, soleil. Soleil d'été, soleil d'été, soleil d'été, soleil d'été, soleil. Soleil d'été, soleil d'été, soleil d'été, soleil d'été, soleil. Soleil. Balancez à gauche, balancez à droite, mettez-vous devant, nous voilà le chicone. Bon, balancez à gauche, balancez à droite. Mettez-nous devant, nous voilà le chicone. Bon, fléchis, 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 con. Bon, fléchis, 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 con. Bon, balancez à gauche, balancez à droite. Mettez-nous devant, nous voilà le chicone. Bon, balancez à gauche, balancez à droite. Mettez-nous devant, nous voilà le chicone. Bon, fléchis, 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 con. Bon, fléchis, 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 con. Bon. Fléchis, 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 con, bon. Fléchis, 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 con, bon. Volé, 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 volé. Baissez, 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 baissez. Vire, 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 vire. Nous bras compose, nous bras compose. Nous bral propose, nous bral propose, nous bral. Nous bral propose, nous bral propose. Nous bral propose, nous bral propose, nous bral. Nous bral propose, nous bral propose. Nous bral propose, nous bral propose, nous bral. Le pain de ta vie. La parole de Dieu est pain de vie. Nourrissez votre vie spirituelle en lisant la revue mensuelle Pain de vie. Elle vous tient connecté à la vie de notre Église et vous aide à fortifier votre vie spirituelle. Pain de vie, la revue mensuelle de la communauté chrétienne. Seigneur, merci pour ta parole qui est pain de vie. Le pain de ta vie. Après la pause, pour vous qui venez de brancher la chaîne 25, nous vous rappelons que vous suivez la grande finale de la 6e édition de Soleil d'été, ce concours de chant organisé par la télé Soleil et Pain de Vie, qui est cette année supporté par Tchako. Les produits Canex S.A., les Olandia et Big Shake, Tampico, Elle et Ville, Globotech avec DataCode, France le Jardinier, la Soge Express et la World Vision qui fait la route avec nous avec son slogan « Notre vision pour chaque enfant ». Notre prière pour tous. Public, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Les clowns, vous êtes prêts? Oui. Je suis prête. Mais il ne manque que nos juges qui vont à présent faire leur entrée. Je vous demande de les applaudir. Diana Mercier. David, Eric, Pierre, Étienne, dit Rico. Et Fednaya Louis. Il ne peut pas y avoir de finalistes sans juges. Les juges sont là. Maintenant, il ne manque que nos 10 finalistes. Je vous demande d'applaudir Charles Rebecca. Peggy Roberto Carlos Chavan. Bé
Eretti Arbinotto Dédé. Anas Kermine des Rivières. Orlane Vicky Dijon. Sainska Louis. Shelda Massillon. Sarah Mikaïnaïel Raphaël. Mikenda Sivrin. Sans oublier Muriel Senatus. Pour commencer le concours, ils étaient 92. En chemin, on a gardé que 20. Et aujourd'hui, pour la grande finale, c'est autour de 7-10 que tourne la grande question. Qui sera l'artiste de la 6e édition de Soleil d'été? Ils vont sortir, mais encore, je vous demande de les applaudir. Perdre de temps, j'annonce pour la première prestation aujourd'hui Charles Rebecca. Elle va nous chanter L'amour est un soleil d'Hélène Ségara. On l'applaudit très fort. Tu arrives et tu me donnes envie.
Rebecca, pour débuter les prestations de cette grande finale, elle a interprété « L'amour est un soleil ». Rebecca était accompagnée de son maestro, le keyboardiste Franzer. Quels sont vos commentaires, les juges? Merci, Rebecca. Et je pense que tu m'as ébloui. Vraiment, je ne pense pas, tu m'as ébloui. Parce que j'en concentré. Et maîtrise qu'on gagne de vous-même, c'est vraiment à féliciter. Merci. Et on va gagner pour me reprocher, rien du tout. Juste continuer le travail. Merci. Merci Rebecca. Au niveau de l'expression, je pense que tu étais très très charmante sur la scène et tu étais sûre de toi. Très simple. Moi, je n'ai que te dire de continuer ainsi, malgré que parfois le maestro se perdait, mais toi, tu t'es sûr de toi et tu as continué sans te perdre toi-même. C'est toi la star et continue ainsi. Merci. Merci Rebecca, félicitations, tu nous as gratifié d'une très belle prestation, je pouvais m'y attendre. Au niveau de la présentation, tu t'es bien soigné, l'articulation était très claire et tes cadences entraîné avec ce que tu chantais. Je ne Merci. Peux que te féliciter encore mes compliments. Merci. Deuxième artiste, deuxième concurrent, il répond au nom de Roberto Peggy Chavan. Aujourd'hui, il va interpréter Viejo de Emmeline Michel. Bonsoir. Chantez ça que m'a interprété. C'est pour tout haïtien frère qui en Dominicani. Gen ça qui n'en bataille cap coupé quand. Gen tout qui pas jamais prendre nouvelle famille. C'est ça que fait moi chanter à tout cœur pour yo. M'a bail tout dans moi ensemble moi chanter. Mon amour pour moi.
Merci. Ce petit bonhomme s'appelle Peggy Roberto Carlos Chavan. Aujourd'hui, il a interprété Viejo de Émile Michel et il était accompagné de son keyboardiste, le maestro Sacha. Je vous demande des applaudissements encore. Et à présent, les juges, on attend vos commentaires. Merci, Roberto. Et, aujourd'hui, tu as été très, très expressif sur la scène. Je ne reconnais pas Roberto que je fais tout le concours. Je dis à moi son homme d'ailleurs venu de monde pour te verser pour tout de blanc. Donc aujourd'hui là. Et tu as su comment jouer avec les expressions faciales, ce qui est bien. C'était ça ton point faible l'année dernière et cette année, ça me fait plaisir parce que tu as beaucoup travaillé ça. Tu as donné le visage sérieux lorsqu'il fallait être sérieux, triste. Tu es rentré dans toi-même. Tu as communiqué le message de la chanson avec nous. Donc, je te félicite et je te demande de continuer ici. Tu as beaucoup d'avenir. Merci, Peggy. Disons que tu as beaucoup progressé comparément à l'année dernière. Nous jouons une voix qui est plus mature. Et avant, tu es peur de tout ce qui est en dedans. Et qu'on y a là ou pas peur ou exploser. Donc, continuez le travail. Vous pouvez remplir le nom. Merci. Roberto, félicitations. Depuis le début, tu as toujours assuré moi-même. Ce sont des choses que je m'attends à, venant de toi. Tu fais preuve d'une élégance hors pair. Aujourd'hui, tu t'es préparé pour ta finale. Félicitations. Au niveau de la présentation, c'est bien. Au niveau du style, Peggy, tu es particulier. Je t'encourage, je te demande de rester toujours sur cette bonne voie où tu es. Encore une fois, félicitations. Merci. Et public, continuez à applaudir pour accueillir en troisième position Hassan Beretti Arbinoto Dede. Hassan, aujourd'hui, va interpréter Ce qui est de John Steve Brunache. On l'applaudit encore. Un pays qui a pété, un pays qui a
Avancer avec tout talent ça yo nous penser n'a privé. C'était la prestation de Hassan Beretti Arbinoto Dédé. Il vient d'interpréter C'est qui est de John Steve Brunage et il était accompagné de son maestro Kit Nero avec son keyboard. Des applaudissements pour le maestro. Quelles sont vos impressions sur la prestation de Beretti? Hassan, c'est toujours comme ça. Dès que tu termines de chanter, je prends toujours un temps de respirer parce que tu me laisses toujours sans mots. Aujourd'hui, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette touche que tu as apportée. Ordinairement, tu choisis le style qui convient avec ce que tu chantes. Au niveau de l'articulation, tu prends le soin de bien dénoncer les mots. Je te félicite sur ce point et tu fais preuve d'une belle assurance. Encore une fois, mes compliments. Hassan, comme moi dis déjà, c'est pas facile pour un monde à chanter, mon cher de poule. De pour ouais, que ça arrive, ça veut dire à gagner rien que ma promotion. Très bien. Merci. Hassan, moi je pense que on pas gagner avenir dans chanter seulement, on gagner avenir dans cinéma parce que sont très bons acteurs. Ou comment vous jouez avec expression yo? Ou bien geste ou pas jambe monotone depuis le commencé dans concours là ou pas jambe de geste monotone et son bail qui très très difficile à gérer donc aussi ma félicité parce que son attitude professionnelle ou bien gens ou communiquer avec maestro pas gen monde qui remarque ça seul maestro avoc qui connaît ça son bail professionnel donc maman de continuer comme ça et un très très bel avenir moi. Tabou Congo qui c'est un groupe qui était souvent qu'on fait peu haïtien danser et dans moment là Tabou Congo qui toujours là mais que nous pas vraiment suivre et je dis à Anas Kermin des rivières pour aider nous découvrir un morceau groupe ça Anas Kermin pour chanter un petit geste en applaudit.
chaque monde a pralé en poutre. Haïti dans la déroute, la misère pas qu'à bout. Tout pays a t'apprécanté, personne pas qu'à refaire. Yo prend chimé la mer. Yo qu'il pite dans fond bateau, que ça mouris dans de l'eau. Vieux vent cadre, vous levez. Passé haïtien, c'est pas marin. Quand notre yo ka tourne, pour yo pa gen chimé. Yon tichesse pour yo, yon tendresse pour yo. Yon fave pour yo, yon lune pour yo. Yon épaule pour yo, yon parole pour yo. Yon beauté pour yo, liberté pour yo. Les chants moun a peuplé Tchakout. Haïti dans la déroute, la misère pas jambout. Tout pays a apé grigi, petit li prend courir pour y aller Miami. Yo qu'il pite dans fond bateau, yo fait fausse couche dans l'eau, mauvais temps barré. Américain pas vle haïtien, yo fè yo retourne, parce que yo pa ki ben. Yon tichesse pou yo, yon tendresse pou yo, yon fave pou yo, yon lone pou yo, yon épaule pou yo, yon parole pou yo, yon beauté pou yo. Liberté pour yo, yon digesse pour yo, yon tendresse pour yo, yon fave pour yo, yon l'honneur pour yo, yon épaule pour yo, yon parole pour yo, yon bonté pour yo, liberté pour yo. Merci. Anas Camine des Rivières qui sont interprétés yon ti geste de Tabou Combo. Juge, qui je nous t'ai trouvé Anas Camine dans l'interprétation ça? Merci Anas Camine. Je te trouve très. Bah, je ne mot vraiment pour dire ça me sentir hein, parce que là, son lot Anas Camine que nous. Et nous faisons nous fiers de ce que. Nous avons choisi pour une audition parce que nous avons une pile maîtrise dans la voix, un pile travail qui fait pendant ce jour-là. Continuez, on a un pile avenir. Merci. Anas Camille, merci. Et tu as été calme sur scène, non? Au printemps pour savourer la musique, pour rentrer la donne. Mais je t'ai aimé un petit peu plus de communication à travers le visage. Geste était très bien, par contre, ou pas aucun bagage, pas aucune monotonie à travers le geste, ou exprimer, ou expliquer chaque mot qui est dans la musique là. Même t'as aimé et visage et communiquer plus avec nous. Merci. Et moi, non, qu'à faire ça parce que tu es en bas nous déjà. Ok, mais après ça, je pense que tu étais très calme et j'ai aimé vraiment ta prestation. Très merci. Bien. Merci. Anas Kermine, merci, félicitations. C'est à peu près les mêmes remarques que Diana. Au niveau de la vigueur, je voudrais plus de communication, moi également. Comme ça, le courant serait bien mieux passé. Et puis, au niveau de la présentation, tu as assuré parce que tu t'es bien soigné. Et le style convient également avec ce que tu chantes. Félicitations. Merci. Et là, on accueille Vicky Digène Orlan qui va interpréter
C'est comme si de Tiffane. On applaudit. Yeah.
Vicky Orlan, 10 jeunes pour la cinquième prestation. Elle vient de nous interpréter C'est comme si de Tiffany. Elle était accompagnée de son keyboardiste Charles Rinal. À présent, on attend vos commentaires, les juges. Merci Vicky. Toujours très jolie et très charmante sur la scène. Merci. J'ai aimé tes expressions. Je ne vais pas dire que tu es comme une actrice, comme je dis pour Hassan, mais toi, ce que j'aime, c'est que le visage a changé très rapidement. Oui, l'amour c'est flamme, ou que tu as monté une flamme. L'amour c'est vice, mais oui, l'amour c'est vice. Donc, tu joues avec ton visage, tu joues avec les mots, tu joues également avec les gestes, ce qui est bien. J'aime également ta façon de communiquer avec nous. Tu n'es pas timide, pas de stress. Donc, je te demande seulement de continuer ainsi. Et d'ailleurs, tu as beaucoup de potentiel. Merci. Merci, Vicky. Merci. Et ma félicito encore. Parce que vraiment, et voix charmée moi, encore une fois. Merci. On se fait le petit... Et c'est un conseil plutôt. Et évite de trop rester sur scène. Et de faire trop de temps sur scène. Surtout quand la chanson est un petit peu calme, ok? Donc parfois, si on ne trouve pas des choses pour attirer l'attention des gens, donc on a tendance à vaquer à autre chose. Donc, début, première impression que vous avez fait, c'est un atout que vous avez gagné. C'est que vous avez gardé l'atmosphère dans le qui j'en lié et puis vous gérer ça. Donc, c'est gérer ça, mais je n'ai rien à reprocher à la voix, sinon un petit truc de ça. Merci. Orlan, félicitations. Je me demande comment tu fais pour exprimer aussi bien ce que tu chantais. On dirait que tu vivais cela. Encore une fois, je te félicite sur ce point et tu fais preuve d'une bonne maîtrise également, très professionnelle sur la scène. La tenue est très bien appropriée également à ce que tu chantes. Sur ce point, je te félicite. Mes compliments. Merci. Les prestations, les unes plus belles que les autres. À présent, nous allons vous laisser souffler, amis téléspectateurs. Restez avec nous. À tout à l'heure. Soleil d'été, soleil d'été, soleil d'été, soleil d'été, soleil. Soleil d'été, soleil d'été, soleil d'été, soleil d'été, soleil. Soleil d'été, soleil d'été, soleil d'été, soleil d'été, soleil. Soleil. Balancez à gauche, balancez à droite, mettez-vous devant, nous balancez chicone. Bon, balancez à gauche, balancez à droite, mettez-vous devant, nous balancez chicone. Bon, fléchis, 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 chicone. Bon. Fléchi, 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 con, bon. Balancez à gauche, balancez à droite, mettez-nous devant, nous voilà fléchi, con, bon. Balancez à gauche, balancez à droite, mettez-nous devant, nous voilà fléchi, con, bon. Fléchi, 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 con, bon. Vole, 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 vole. Baissez, baisse, baissez, baisse, baissez, baisse, baissez, baisse. Vire, 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 vire. Nous bras compose, nous bras compose, nous bras compose, nous bras compose, nous bras. Nous bras compose. Nous bras compose, nous bras compose, nous bras compose, nous bras. Nous bras compose, nous bras compose, nous bras compose, nous bras compose, nous bras. Le pain de ta vie. La parole de Dieu est pain de vie. Nourrissez votre vie spirituelle en lisant la revue mensuelle Pain de vie. Elle vous tient connecté à la vie de notre Église et vous aide à fortifier votre vie spirituelle. Pain de vie, la revue mensuelle de la communauté chrétienne. Seigneur, merci pour ta parole qui est pain de vie. Le pain de ta vie.
tous ceux qui viennent de brancher la chaîne 25, nous vous rappelons que vous suivez la grande finale de la 6e édition de Soleil d'été, ce concours de chant organisé par la télé Soleil et Épingle Vie, qui est cette année supporté par Tiako, les produits Canex SA, les Hollandia et Big Chef, Tampico, Elevire, Globotech avec DataCode, France le Jardinier, la Souge Express et la World Vision qui fait la route avec nous avec son slogan « Notre vision pour chaque enfant ». Notre prière pour tous. Nous allons là maintenant pratiquement casser le rythme pour accueillir les enfants de Soleil d'été dans un numéro de danse sous vos applaudissements. Les roues passent belvédère, virer à gauche, monter mon nom. Grand casse blanc, c'est pas comme ça, j'achète à la casse ou fouéa. Si ni des hommes, c'est habitué. Passe musique, la paix qui est baissée. La bouteille est pour commander, mais pour manger pas calculé. Les musiques la carte boulée. Sont restés en route dans le concours, mais aujourd'hui ils ont voulu rendre les couleurs
plus belles et elles ont dansé. On les applaudit encore. Et j'annonce pour la sixième prestation, Science K. Louis. Aujourd'hui, elle va nous interpréter « Je suis malade » de Dalida. Sous vos applaudissements. Tu m'as vidé
Bataille Louis pour cette grande finale était dans la peau de Dalida pour nous interpréter Je suis malade. Elle était accompagnée de son keyboardiste Franz Mesidor. On attend vos impressions, la juge. Sainska, tu m'as tellement traversée, moi-même je crois que je suis tombée malade de ta prestation. Ce que j'aime particulièrement en toi, c'est ta façon de prononcer les mots. Tu prends ton temps de bien articuler et de bien énoncer les mots. Bonne maîtrise, tu es très professionnelle. Félicitations. Merci. Merci, Sainska. Et je me sens que vous antigen en oui, Josien. Mais malgré ça, pour quimber prestation. Et on pas besoin peur pour nous c'est assuré. Tu es là avec nous. Merci. Saïska, tu chantais Je suis malade. Mais j'ai l'impression que c'est ou même qui t'es malade vraiment parce que ou montrer gros moment que glo saute dans yeux là prend note aiguë. Ou fait j'ai l'impression que tout le monde dans public là glosse dans yeux tout parce qu'on traverse nous ou jouer avec expression visage ce qui est très bien dans partie verse ou très sérieux mais là prend refrain ou transformer donc m'a mando continuer comme ça et féliciter maestro à tout parce que c'était un bel accompagnement à vous. Merci. 7e prestation, j'annonce Shelda Massillon qui va nous chanter Aime-moi, je t'aime d'Enrico Macias. On applaudit Shelda. Je t'aime, aime-moi toujours. Que serait ma vie si tu ne
Massillon qui vient d'interpréter Aime-moi, je t'aime d'Enrico Marcias pour cette grande finale. Les juges, quels sont vos commentaires sur sa prestation? Merci Shelda. Et ça, moi, ma prestation, c'est que nous avons vraiment l'occasion pour nous et apprécier tout registre vocal parce que vous montez, vous descendez bien bas et vous ne perdez pas voix malgré toute et force qu'on mettait là-dedans, belle maîtrise de vocal. Vraiment, félicitations. Merci. Merci, Shelda. Au niveau de l'expression, je te trouve très classe. Tu as beaucoup de classe et tu as beaucoup de confiance en toi et beaucoup d'assurance. Et parce que ça a toujours été comme ça, depuis le début du concours. Et où son monde, tout, ton visage, après avoir chanté, tu es très calme. Tu pas exprimé rien. Mais quand tu montes sur scène, ou transformer, ou monter dans tout ça qui est dedans. Donc, tu es un artiste finalement que si on l'autre monde a regardé, si on pense que c'est sur visage où il y a pattern, il n'y a pas besoin de connaître parce que c'est un pile secret. Ok, mais tout pour vous. C'est très bien. Ok, merci. Shelda, félicitations. Toujours avec beaucoup d'énergie sur la scène. Tu nous épates tout le temps. Et très belle tenue aujourd'hui. Encore une fois, compliments. Reste sur la bonne voie où tu es, Shelda. Merci. Votre 9e prestation, c'est avec Sarah Mikaïnaïel Raphaël qui va nous chanter Aller plus haut de Tina Arena. Sous vos applaudissements. Dessiner notre avenir.
aller plus haut, aller plus haut. Je crois encore à l'avenir. Plus haut, je crois encore à l'avenir. Kainayel Raphaël qui vient d'interpréter Aller plus haut de Tina Arena. Sarah aujourd'hui était accompagnée de son maestro, le keyboardiste Isidore. Quelles sont vos impressions sur sa prestation, juge? Merci Sarah. Jolie prestation. Mais j'aimerais au niveau des expressions que tu gères un petit peu plus le centre de la scène. C'est important pour une chanteuse. Tu dois gérer le centre de la scène. Et je ne sais pas, aujourd'hui, je te trouvais un petit peu trop stressée. J'aimerais avoir un petit peu plus d'épanouissement. Okay? Que tu vis vraiment ce que tu chantes. Mais à part de ça, je pense que tu as été très bien. Merci. Merci, Sarah. Et moi, j'ai pensé que tu pourrais venir avec une chanson beaucoup plus gaie. Et plutôt avec plus de chaleur, ok, sur scène, parce que il manquait quelque chose. Et déjà, le stress, vraiment, il n'a pas joué en ta faveur. Tu n'as pas su gérer ça, on a senti ça même dans la voix.
Donc tu dois apprendre à gérer ton trac. Comme je dis souvent, vous respirez avant de monter sur scène. Respirez à fond profondément pour vous relâcher de toutes les mauvaises ondes, comme on dit, donc, pour te libérer et monter sur scène. Parce que le stress, vraiment, et ça tue la prestation. Okay? Sarah, félicitations. C'est vrai que tu as été froide, mais tu t'es bien débattue. Et au niveau de la tenue, tu t'es bien soignée. Mes compliments. Merci. Votre 9e prestation, c'est avec Muriel Senatus qui va nous chanter Choukoun. On applaudit Muriel. Les
Gilles Sénatus pour nous faire revivre ce bel œuvre de Oswald Durand, Choukoun, qui impressionne nous sous prestation. Muriel Sénatus. Muriel, félicitations, félicitations. Tu sais que c'est toujours comme ça quand tu es sur la scène. Les expressions jouent toujours en ta faveur. Diana va préciser sur cela. Pour moi, au niveau du style et la présentation, l'articulation, ma chère, tu as assuré. Je ne peux que te demander, comme les autres, de rester sur cette bonne voie. Merci. Félicitations. Merci, Muriel. Vraiment, tu as beaucoup de talent. Et j'espère simplement que vous voulez voir un petit Muriel, une grande Muriel qui a fait un pile belle bagaille comme artiste et que c'est théâtre ou bien que c'est chanté, mais vous voulez voir un Muriel qui a éclaté pour l'avenir. Merci. Muriel, moi je pense que vous avez un bel avenir dans le théâtre. Parce que scène c'est pour lui, ou c'est médecin nous, ou pas jambe. D'ailleurs c'est toujours ça qui épanouit nous. Nous avons regardé Muriel ou gérer scène nous, ou exprimer tellement bien que vraiment par qui ça manque. Donc nous devons continuer à voir ça vraiment parce que c'est une belle voix et le fait de nous être à l'âge ça qui a exprimé tellement, qui pas timide, parce que nous avons un bel avenir dans nous. Continuez ainsi. Merci. Dixième et toute dernière prestation, c'est avec Mikenda Sivrin. Mikenda va nous chanter « Je suis là », un texte qu'elle a elle-même composé. On l'applaudit. Mon chemin, c'est mon destin. La musique en moi est un bon divin. Je dois poursuivre ma vie comme elle est écrite. Mes rêves me poursuivent, j'ai pas choisi. Une vie de star, une vie de nouvelle. Malgré mes longs voyages, je serai toujours là. Je suis là, je suis là, je suis là, tout près de toi. Écoute au fond de ton cœur, tu verras que je au fond de ton cœur, tu verras que je suis là. Tu ne me vois pas, mais je suis là. Nos beaux souvenirs te suivront partout où tu iras. Tu ne me vois pas, mais je suis là. Ensemble avec moi, tu verras que je suis là, tout près de toi. Encore une fois. Je ne vous entends pas.
Pour cette grande finale, Mikenda Sivrin a choisi de nous interpréter un texte qu'elle a écrit, intitulé « Je suis là ». On attend vos commentaires, les juges, sur sa prestation. Merci, Mikenda. Et en passant, c'est un très beau texte. Merci. Félicitations. Et ta voix est toujours très douce. Et pas vraiment gagné pour me reprocher au revoir. Et donc, continuez le travail. Et nous avons un peu de nous. Merci. Merci, Mikenda. J'ai pas vraiment de choses à te dire. Que je te trouve très, très douce et très souple sur scène. D'ailleurs, une chanson que tu as composée, je pense que le message est passé. Et je pense aussi qu'à travers cette chanson, tes expressions, tu as été très profonde. Je pense que tu es très bien et tu as toujours été très bien sur scène. Maintenant, on doit continuer ainsi et très bonne communication encore une fois avec ton public. Merci. Mikenda, merci. Mes compliments. J'aime la façon dont tu as entraîné ton public avec toi. Cela t'a distingué. Tu fais toujours preuve de bonne maîtrise, toujours très professionnelle, tenue bien appropriée. Tu t'es bien soignée. Félicitations. Merci. Mikenda Sivrin pour la 10e et dernière prestation. Donc, c'est la fin, mais pas la fin de l'émission. Nous allons observer la pause pendant que les juges partent pour délibérer. Restez avec nous. On va prendre la pause, mais passons vous public. Je vous invite à prendre la pause avec moi. Donc, levez-vous. On prend la pause ensemble. Soleil de tes manteaux papillon. Va mettre un mais à gauche. Blier l'autre là à droite. Va faire un petit pencher. Et puis ouvre le papillon. Va mettre un mais à gauche. Blier l'autre là à droite. Va faire un petit pencher. Et puis ouvre le papillon. Papillon, papi. 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 Va mettre un mais à gauche, plier l'autre là à droite. Va faire un petit pencher, et puis ouvre le papillon. Va mettre un mais à gauche, plier l'autre là à droite. Va faire un petit pencher, et puis ouvre le papillon. Papillon, papi, papillon, papi. Papillon, papi, papillon, papi. Papillon, papi, papillon, papi. Papillon, papi, papillon, papi. Et puis limbo, 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 limbo. Limbo, 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 limbo. Et puis la luz, 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 la luz. Caille pas, caille pas, caille pas, caille pas, caille pas, caille pas, caille pas. Nous bral pompos, nous bral pompos. Nous bral pompos, nous bral pompos, nous bral. Nous bral pompos, nous bral pompos. Nous bral pompos, nous bral pompos, nous bral. La parole de Dieu est pain de vie. Nourrissez votre vie spirituelle en lisant la revue mensuelle « Pain de vie ». Elle vous tient connecté à la vie de notre Église et vous aide à fortifier votre vie spirituelle. « Pain de vie », la revue mensuelle de la communauté chrétienne. Seigneur, merci pour ta parole qui est pain de vie. Le pain de ta vie. Merci de garder toujours la même chaîne, amis téléspectateurs. Je vous rappelle que vous suivez la grande finale de la 6e édition de Soleil d'été, qui est ce concours de chant organisé par la Télé Soleil et Pain de vie pour les enfants de 9 à 12 ans. Soleil d'été, cette année, est patronné par Tchako, les produits Canex SA, les Hollandia et Big Chic, Tampico, Elevir, Globotech avec DataCode,
Franz le Jardinier, la Soge Express et la World Vision qui est à nos côtés avec son slogan « Notre vision pour chaque enfant ». Notre prière pour tous. Nos juges qui sont toujours en délibération, on ne va pas laisser passer le temps. C'est pour cela qu'à présent, je vais vous inviter à suivre un très beau défilé avec nos mannequins de Soleil d'été. C'est un défilé préparé par le foyer Notre-Dame de la Haute Couture et de Beaux-Arts Cise à la Lue par Madame Swanise Solongo. C'était un phénomène, elle n'était pas humaine. Le genre de femme qui change, le plus grand délinquant, un gentleman. Une beauté sans pareil, tout le monde veut s'en emparer sans savoir qu'elle les mène en bateau. Hypnotisée, on pouvait tout donner. Elle n'avait qu'à demander, puis aussitôt en démarrer. On cherchait à l'impressionner, à devenir son préféré sans savoir qu'elle les mène en bateau. Mais quand je la vois danser le soir, cette femme était nommée, belle à la peau dorée. Les femmes la haïssaient, toute la jalousaient, mais les hommes ne pouvaient que l'aimer. Elle n'était pas d'ici, ni facile ni difficile, synonyme de magnifique, à ses pieds que des disciples qui devenaient vite indécis. Tremblant comme des feuilles, elle te caressait sans même te toucher. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. C'était un phénomène, elle n'était
n'est pas humaine. Le genre de femme qui change le plus grand délinquant en gentleman. Une beauté sans pareil, tout le monde veut s'en emparer sans savoir qu'elle les mène en bateau. Hypnotisée, on pouvait tout donner. Elle n'avait qu'à demander, puis aussitôt en démarrer. On cherchait à l'impressionner, à devenir son préféré sans savoir qu'elle les mène en bateau. Mais quand je la vois danser le soir, était nommée, belle à la peau dorée. Les femmes la haïssaient, toute la jalousaient, mais les hommes ne pouvaient que l'aimer. Elle n'était pas d'ici, ni facile ni difficile, synonyme de magnifique, à ses pieds que des disciples qui devenaient vite indécis. En blanc comme des feuilles, elle te caressait sans même te toucher. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Soleil d'été, ses enfants sont restés en route, mais aujourd'hui, ils ont voulu être de la partie pour rendre les couleurs plus belles. C'était un défilé préparé par le foyer Notre-Dame de la Haute Couture et de Beaux-Arts avec Madame Swanise Solongo. Des applaudissements corporels. Et la public téléspectateur, l'heure de la vérité a enfin sonné. C'est le moment de répondre à la grande question. Cette question qui a tourné autour de diverses prestations, précisément nos 10 finalistes d'aujourd'hui. Donc, jury, j'attends encore le résultat. Public, je vous demande d'applaudir nos 3 juges pour leur travail. Un travail qui n'a pas été trop facile. Merci, Rico. Les résultats me stressent toujours, public. Je vous rappelle que c'était un concours qui a tourné autour de 92 enfants pour un premier et un second tour. Au cours de route, on n'a gardé que 20 pour arriver à nos 10 finalistes aujourd'hui. Avant de proclamer les résultats, j'invite nos 10 finalistes à monter sur scène. Prenez toute la scène, prenez toute la scène. Et la public, encore une fois, je vous demande d'applaudir nos 10 finalistes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va garder que 5. Gagnants, mais ils ont été tous vraiment super. Comme toujours, on va commencer avec la 5e place.
cette année pour la 6e édition de Soleil d'été, la 5e place revient à Charles Rebecca. Pour la 4e place, 4e gagnante, elle s'appelle Sainska Louis. La 3e place, 3e gagnante de Soleil d'été 2014, Sheldah Massillon. Pour la 2e place, 2e gagnant de Soleil d'été 2014, Peggy Chavin. La première place, amis téléspectateurs, public, cette année revient à Hassan Bébé Bérétti Arnaud. Téléspectateurs, public, vous avez vos 5 gagnants. Les 5 gagnants de la 5e édition de Soleil d'été 2014. Avec Hassan Dédé pour la 1ère place, Roberto Peggy Chavan pour la 2e place, Sheldah Massillon pour la 3e place. Sainska Louis pour la 4e place et Rebecca Scholl en 5e position. Salutations, de félicitations pour nos 5 gagnants. Je demande aux 5 autres postulants de venir saluer nos 5 gagnants.
regard se déchire. Encore une fois, je dirais qu'il n'y a pas raison de pleurer. Non, on ne pleure pas puisque vous avez été vraiment tous superbes, les enfants. C'est ce qui vous a valu votre place en finale. Donc, séchez vos pleurs, vous êtes tous des gagnants. On va sécher nos pleurs pour accueillir Madame Muriel Noisy, directrice de la publication de Paix de Vie. Des applaudissements pour Madame Noisy, s'il vous plaît. Révérend Père Désiné Orjan, directeur de Radio Télé Soleil, chères présentatrices et jurés, chers parents, sponsors, invités et téléspectateurs, chers enfants, rayons de soleil d'été. 6 ans. Oui, voilà déjà 6 ans que soleil d'été rythme nos étés et nous n'avons pas vu le temps passer. Mais 6 ans, pour une émission diffusée seulement sur une saison de l'année, vous direz que ce n'est pas beaucoup. Pourtant, comme un enfant précoce, Soleil d'été s'est vite imposé pour devenir le programme par excellence sur nos petits écrans durant tout un mois. Ne soyez pas surpris, chers enfants, si je vous dis que ce succès-là est vôtre. Ainsi, en été 2009, quand Télé Soleil organisait la première édition, les responsables savaient qu'il y aurait beaucoup d'enfants. Ils se doutaient cependant de recevoir autant d'artistes, autant de talents, autant d'avenir dont vous êtes, chers enfants, le symbole vivant. Aujourd'hui, on peut aisément constater que ce ne sont pas les hommes qui manquent, mais ce sont les idées qui font défaut. Chers enfants, rayons de soleil d'été, je vous félicite tous. Vous êtes des soleils de courage pour avoir osé affronter les caméras, les jurés, les téléspectateurs. Vous êtes des soleils d'espoir en affichant ce constant désir d'épanouissement. Vous êtes des soleils d'amour en faisant montre d'une sociabilité exemplaire. Vous êtes enfin des soleils de vie en prouvant que vous aviez un désir, que vous nourrissiez un rêve et que vous aviez fait votre possible pour les réaliser. Comme nous l'avons répété à ceux qui vous ont précédé sur ce podium au cours des 5 premières éditions, à Soleil d'été, le principe de base est autant de participants, autant de rayons, autant de gagnants. Bravo, bravo, bravo. Il n'y a pas de doute que vous étiez tous et toutes venues pour décrocher le premier prix. Ce premier prix n'est autre qu'un symbole. Mais vos premiers pas et vos premiers balbutiements sur ce podium faisaient déjà de vous des gagnants. Nous savons ce qu'il faut d'énergie et de sacrifice pour y arriver. Mais faites-le à chaque fois que vous le pourrez. Soyez à chaque fois des gagnants pour les enfants que vous êtes, pour les adultes que vous deviendrez, pour ce pays que nous devons sauver, pour Haïti, pour l'avenir. Faites briller incessamment vos rayons de soleil. Mais de notre côté, nous savons également ce qu'il faut d'énergie et de sacrifice pour arriver à faire de cette émission ce qu'elle est aujourd'hui. Des hommes ont émergé pour la réaliser. Soleil d'été a été d'abord une grande idée, un grand projet. Ensuite, ont surgi des animateurs, des ingénieurs, des techniciens, des sponsors. Oui, bravo encore une fois au staff de Télé Soleil. Père Jean, frère Mésidore, je reste encore une fois sans voix pour votre sens d'engagement, votre détermination pour l'épanouissement de nos enfants, de nos artistes pleins de talent, de vie et d'avenir. J'en profite pour féliciter les parents pour les sacrifices consentis et les sponsors pour leur support. Chères présentatrices, clowns, jurés, vous avez été tout simplement excellents. Chers gagnants, félicitations. Je suis certaine que vous allez continuer à briller
Je souhaite de tous mes voeux que vous continuez à progresser sur cette voie de succès et d'excellence. Chers enfants, je vous souhaite une bonne année scolaire et que Dieu vous bénisse. Qui a été et qui est encore une coproduction de Télésoleil et Pain de Vie. Nous venons de recevoir les quelques mots de Madame Noisy, directrice de la publication de Pain de Vie. Nous poursuivons pour accueillir l'un de nos sponsors, la World Vision, qui a été à sa première expérience. On accueille Madame Jessica Théodore de la World Vision. Des applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Lady Télésoleil, merci. C'est la première fois que nous avons un partenariat avec Télésoleil, mais nous voulons dire un grand merci pour un bel spectacle de soleil d'été. Nous voulons dire félicitations à tout Timounio. Gagnant et moun qui, même si nous n'avons pas gagné la première prime, nous avons dit nous continuer à travailler. Mettez un petit sourire parce que nous, by peuple, on bel spectacle. OK? On nous connaît que World Vision, nous travaillons avec Timoun, avec jeunes, et nous travaillons dans le domaine plaidoyer et protection Timoun. Et on connaît que Télésoleil travaille avec Timoun en pile, et c'est, ça veut dire que nous, tous les deux, travaillons dans le même domaine. Je voulais dire que World Vision travaille à la Gonave et le Nord. Et je connais que Télésoleil est venu avec nous, Inche, dans le centre de l'espoir. Et je voulais dire un grand merci. Si nous t'aimons connaître plus de qui ça World Vision fait, nous allons toujours aller dans le site, nous, www.wvi.org et puis /Haïti. So, m'kwè c'est devoir tout moun pour nous travailler sous protection ti moun. So, m'a dit nous que c'est prier nous pour nous toujours ka protéger petit nous. So, merci encore à les spectateurs, le public, avec les enfants et toutes les personnes de Télésoleil. Merci. Sans les juges, il n'y aurait pas ces 10 finalistes. Et sans ces finalistes, que serait votre été, amis téléspectateurs? Mais sans le révérend père Désine Orgeant, il n'y aurait pas de concours. C'est pour cela, je vous demande de l'applaudir très fort dans ces mots de circonstance. On a annoncé le père Désine Orgeant et ce sont les cadeaux qui ont plu sur le plateau. Alors, je crois que c'est une bonne nouvelle. Madame Muriel Noisy, directrice de publication de Pain de Vie. Maître Anselme Montbrun, représentant de Chaco. Madame Jessica Théodore de la World Vision. Madame Samantha Robert de Canex SA. Nos amis de Tampico, de Globotech, de Sogexpress, de Franz le Jardinier, de Elivire. Chers parents, chers enfants, nos amis de la presse, chers invités, chères téléspectatrices et téléspectateurs de Télésoleil. C'est déjà la fin de l'été et Soleil d'été emboîte le pas. Télésoleil et Pain de Vie l'ont encore fait. 6 ans seulement et Soleil d'été devient une production assez profondément ancrée dans la tradition de l'audiovisuel en Haïti. Soleil d'été est un produit
plaisant, utile et divertissant. Il est consommé par un public un peu lassé des programmes venus d'ailleurs, à travers lesquels il ne se reconnaît pas. Des produits audiovisuels avec lesquels il n'a absolument rien en commun. Soleil d'été est une conception totalement haïtienne, portée par des mains et des cœurs haïtiens, et mettant en vedette de tout jeunes artistes haïtiens. Il est un constat que ce programme pénètre tous les foyers. Soleil d'été s'impose naturellement. Les témoignages sont sur toutes les lèvres, des enfants jusqu'aux adultes, en passant par les jeunes. Les refrains de Soleil d'été sont repris de façon spontanée. Les pas de danse exécutés sur ce plateau sont en passe de devenir des classiques, défiant toute nouvelle tendance qui prétendrait les éclipser. Soleil d'été n'est pas seulement un concours de talent mettant en lumière la virtuosité et le panache des enfants. Il est plus qu'un simple concours. Il est un espace où des enfants viennent exposer leur potentialité et leur désir d'évoluer dans une société où ils sont considérés comme des citoyens à part entière. Parfois, ils interprètent à dessein des chansons en s'appropriant des mots des artistes pour faire passer leur message. Et ce côté sérieux n'occulte en rien l'aspect ludique et divertissant du show où tous les soirs, la ville de Port-au-Prince et les périphéries vivent au rythme des animations des enfants qui monopolisent l'audience. Soleil d'été ne se passe pas uniquement sur ce plateau. Il est partout dans les maisons et même dans les rues. C'est un sixième pari gagné, Madame Noisy. Depuis 6 ans, avec Pain de Vie, vous vous êtes associé à Télé-Soleil pour orienter le projecteur sur ce segment très peu, disons trop peu, représenté dans l'audiovisuel que sont les enfants. Madame Noisy, vous avez flairé que l'opportunité était là pour offrir aux enfants un espace approprié. Et vos mains et votre cœur se sont ouverts pour porter ce projet avec une fidélité et une générosité sans faille. Les enfants te sont reconnaissants. L'Église applaudit ton engagement et l'histoire retiendra ton esprit de mécénat. Tu es toujours là pour soutenir les efforts déployés par l'équipe de Radio Télé Soleil. Qu'il s'agisse de Soleil d'été, de J'appelle au soleil ou autre, tu ne nous as jamais marchandé ton concours. Merci Muriel et merci à toute l'équipe de Pain de Vie. Je vous demande de l'applaudir. Merci à Chaco, le sempiternel présent aux côtés de Télé-Soleil en général et de Soleil d'été en particulier. Vous ne manquez jamais à l'appel quand il s'agit d'offrir aux enfants des programmes qui visent à leur épanouissement. Vous avez toujours visé le développement de notre pays et c'est pourquoi vous n'hésitez pas à vous joindre à de telles initiatives. Maître Anselme Montboin, qui représente la compagnie, est là avec nous pour primer les enfants. Maître Anselme, vous transmettrez nos remerciements au président de la compagnie, Monsieur Chaconte Joseph. Cette année, nous avons le plaisir de travailler avec une institution qui œuvre depuis des décennies aux côtés des jeunes. Il s'agit de la World Vision, représentée ici aujourd'hui par Madame Jessica Théodore. World Vision dont la philosophie et celle de Télé-Soleil se rejoignent. Quand les efforts sont conjugués, l'impact est définitivement plus important. C'est l'occasion pour nous d'ouvrir les yeux du public sur l'immensité et l'importance du travail réalisé par la World Vision. La visite des enfants de Soleil d'été à Inch leur a permis de découvrir l'étendue de l'engagement de cette institution dans le département du Centre. Nous remercions les amis de la World Vision du côté de Inch.
Le slogan de la World Vision est devenu populaire sur le plateau de soleil d'été. Madame Théodore, transmettez nos sincères remerciements au directeur général de la World Vision et à votre formidable équipe. Et vous, nos chers sponsors, Canex SA, Tompico, Elevir, qui faites de soleil d'été vos programmes de prédilection. Merci à Globotech avec DataCard, France Le Jardinier, la Soge Express. Merci d'être à nos côtés pour la 6e édition de Soleil d'été. À vous tous, chers sponsors, je dis que vous resterez gravés dans l'esprit et le cœur de toute la communauté. Votre participation à Soleil d'été sert à former des citoyens épanouis qui pourront collaborer au développement de leur pays. Merci à vous tous. Nos sponsors, vous les applaudissez. Merci. Merci à Madame Gertrude Séjour de la Fondation Maurice Sixto, qui tient encore cette année à apporter sa contribution en offrant des primes aux gagnants. Merci, merci Madame Séjour. Nos petits artistes de soleil d'été ont besoin de s'approcher de plus près des aînés qui sont déjà célèbres dans le milieu. Et c'est pourquoi chaque année nous invitons des artistes rompus au métier à venir évoluer sur ce plateau pour le grand plaisir des enfants. La liste est longue, mais je tiens à citer nommément des artistes comme Richel Guillaume, Bello, Sniper, Woody Petrel, Chobi Tinomna, Clifford, Jay Perry et Tonton Bichat. Beaucoup d'autres jeunes chanteurs, danseurs sont passés sur ce plateau pour partager leurs expériences avec les enfants. À eux tous, nous disons un grand merci. Et que dire de Jenny École de Danse? Elle est toujours disponible pour Télé Soleil. C'est Jenny qui a encore cette année offert le clip de Soleil d'été. Et les filles de Jenny ont mimé l'ouverture. Et aujourd'hui encore, elles se sont surpassées pour le plaisir de nos yeux. Merci à Jenny, qu'on applaudit, s'il vous plaît. Merci à nos juges, Diana Mercier, David-Éric Étienne Dirico et Fednaël Louis. Cette année, je ne trouve pas de mots, mes chers amis, mes chers juges. Vous avez été encore plus performants. Que serait Soleil d'été sans votre justesse, sans vos jugements? Vous êtes l'inspiration de beaucoup de jeunes qui vous regardent. Télé Soleil vous redit sa fierté de vous avoir à ce concours et je vous remercie de tout cœur. Merci aux parents qui nous ont fait confiance. Merci aux enfants participants. Chers enfants, Soleil d'été a été pour vous un espace de socialisation. Gardez les liens que vous avez tissés. Gardez-les, qu'ils durent longtemps. Avec vos voix, vos cadences, vos sourires, vous avez apporté la joie à des milliers d'enfants qui participaient avec vous à travers leurs petits écrans. Merci à vous, chers enfants. Félicitations aux 10 finalistes, en particulier aux gagnants. Télé Soleil vous a ouvert la voie pour que vous deveniez des artistes professionnels. Nous vous souhaitons du succès. Vous avez tous été formidables. Il n'y a pas de perdants. Nous avons tous gagné. Je dis un grand merci à tous mes collaborateurs. Soleil d'été, c'est la réalisation de toute une équipe. Je dis merci à la programmation, aux réalisateurs, aux graphistes, monteurs, caméramens, éclairagistes, machinistes, directeurs de son, aux décorateurs, l'ingénieur Mario Pierre et son équipe, l'administration, l'équipe de la logistique, le secrétariat, les maquilleuses, les danseuses. Le foyer Notre-Dame de haute couture de Soigny-Solongo, qui nous a offert le défilé et le numéro de danse. Merci aux clowns, Alain, Jeff, Anderson, Valmé, Ernst, Matthaus, Frana, je crois avoir cité tout le monde, Pascal. Merci à vous, parce que
vous avez accepté Cassie. C'est bien ça? Cassie. Vous avez accepté de dissimuler vos visages sous des maquillages et des gros nez rouges. Merci, merci pour votre savoir-faire. Chaque année, je me dis, nous devons nous débarrasser d'elle. Et pourtant, elle est encore là. Je parle de qui? Je parle de Samantha. Elle anime Soleil d'été avec tellement de grâce, de souplesse et d'aisance que son profil est resté collé à ce programme. Samantha, tu as l'animation dans l'âme. Tu mérites de faire ton entrée au musée des animateurs les plus talentueux de l'audiovisuel haïtien. Merci Samantha. Merci. Merci Samantha. L'année prochaine, tu seras déclarée persona non grata sur ce plateau. Merci à tous nos collègues de la presse, particulièrement à Ticket Magazine, qui répercute toujours nos programmes. Dimitri Nader est dans les parages, il est toujours à nos côtés. Merci Dimitri. Merci à Metro Night de Télémétropole qui est avec nous. Merci à Jean-Marie Bonheur, à Michel et à toute l'équipe de Metro Night, Stanley Figaro. Et dans le même registre, nous étendons nos remerciements à la TNH qui a toujours donné une plus large audience à Soleil d'été en diffusant la finale. Enfin, je dis merci à vous, téléspectatrices et téléspectateurs. Vous qui nous avez toujours encouragés, sachez que c'est pour vous que nous sommes ce que nous sommes et c'est pour vous que nous travaillons. Je dis merci à tout un chacun. Et enfin, je dis bonne année scolaire à tous les enfants, à l'année prochaine. Merci. En général, je prends le relais de Samantha à partir de ce moment. Fais les cadeaux. Voilà comment ça va se passer. Il y en a plein. De la 10e à la 6e place, je cite les cadeaux que chacun va recevoir. Un cadeau de Tchako, Maître Anselme arrive aussi. Un poste de radio par Télésoleil. Un sac d'école par Tchako. Un cadeau de la Fondation Maurice Zixto. Madame Séjour, merci. Un sac d'école par Tom Pico, Big Shake et Hollandia. Et puis un sac à linge par Tom Pico, Big Shake et Hollandia. Donc voilà, de la 10e position à la 6e position, voilà les cadeaux que nos amis vont, chacun va recevoir. Tous les enfants de la 10e à la 6e place reçoivent une tablette, chacun, une tablette de Madame Noisy, un cadeau de Tchako, un poste de radio de Télésoleil, un sac d'école par Tchako, un cadeau de la Fondation Maurice Sixto, sac d'école Tampico, Big Shake et Hollandia, sac à linge Tampico, Big Shake et Hollandia, oui. Rebecca, alors Rebecca va recevoir une tablette sur table, offerte par Madame Muriel Noisy, un cadeau de Tchako, un sac d'école par Tchako, un cadeau par la Fondation Maurice Sixto, une guitare par Tchako. Franz le jardinier offre ce qu'il fait comme travail, une belle plante aussi. Un sac d'école par Tom Pico, Big Shake et Hollandia. Un sac à lunch par Tom Pico, Big Shake et Hollandia. Et une caisse Tom Pico, Big Shake et Hollandia. J'ai bien dit, voilà. D'accord. Je continue. Quatrième place maintenant. Quatrième place. C'est Science Car. Cinquième place. Science Car va recevoir une tablette offerte. Cette fois-ci, c'est une tablette pistache. Ouais. Non, c'est sur table, toujours. Offerte par Madame Muriel Noisy. Un cadeau de Tchako. Un sac d'école de Tchako. Un cadeau de la Fondation Maurice Sixto. Une guitare par Télésoleil. Une plante, oui, par Franz le jardinier.
Un sac d'école de Tampico Big Shake et Hollandia, un sac à lunch Tampico Big Shake et Hollandia et une caisse Tampico Big Shake et Hollandia. Voilà. Ça, tout ça, c'est pour Sainska Louis. Alors, je cite pour la troisième place. Troisième place, c'est Sheldon Massillon qui reçoit une tablette offerte par Madame Muriel Noisy, un cadeau de Tchako, un sac d'école par Tchako, un cadeau de la Fondation Maurice Sixto, une guitare de Télésoleil, une plante de Franz Jardinier, un sac d'école par Tampico Big Shake Hollandia, un sac à lunch Tampico Big Shake Hollandia et une caisse Tampico Big Shake et Hollandia. Deuxième place, Peggy Chavan, Roberto Carlos. Il va recevoir une tablette offerte par la Globothèque. Une tablette offerte par Madame Muriel Noisy. Je sais pas. Il va manger beaucoup de tablettes. Un cadeau de Tchako, un sac d'école par Tchako, un cadeau de la Fondation Maurice Sixto, un keyboard par Tchako, une plante Franz Jardinier, un sac d'école par Tampico Big Shake et Hollandia, un sac à lunch par Tampico Big Shake et Hollandia, une caisse Tampico Big Shake et Hollandia. La première place, Arsène Abinoto Dédé. Vous êtes là? Vous m'écoutez bien? D'accord. Il va recevoir une tablette offerte par Madame Muriel Noisy, une tablette offerte par Globothèque, une tablette offerte par Surtable, c'est bien ça? Par Surtable. Un cadeau de Tchako, un sac d'école de Tchako, un cadeau de la Fondation Maurice Sixto, un keyboard de Tchako, une plante Franz Jardinier, un sac d'école par Tampico Big Shake et Hollandia, un sac à lunch par Tampico Big Shake et Hollandia, et une caisse de Tampico Big Shake et Hollandia. Beaucoup de cadeaux, je ne sais pas comment ils vont faire pour rentrer chez eux. Et est-ce qu'on on peut dire qu'on a fini là? On n'a pas fini là? Comment? Non, mais ce que je veux dire aussi, pour tous les enfants qui ont participé à Soleil Dédé, ils sont gâtés. Hein? Ils sont gâtés parce que Elévire est là. Sodipal a des cadeaux pour eux. Si je ne me trompe, je crois que Big Shake, Hollandia, Tampico, on a des cadeaux pour eux aussi. Donc ils sont gâtés. Vous tous qui êtes là, les enfants, qui avez participé à Soleil d'été, vous allez recevoir des cadeaux, mais tranquillement. Hein? On a le temps pour faire ça. Voilà, la cinquième place, c'est Rebecca Charles qui reçoit de Madame Noisy un chèque. Vous voyez, Pain de Vie est Télésoleil, un chèque de $200. Dollars, hein? Dollars. Voilà, Rebecca, c'est à toi. Voilà. Et pour notre ami Sainska Louis, un chèque Pain de Vie Télésoleil de $200 aussi. Troisième chèque pour Shelda Massillon, c'est un chèque de $300. Pain de Vie et Télésoleil. Deuxième place pour Peggy, un chèque de $500 de Pain de Vie et Télésoleil. Et un chèque de $1000 pour Arsène Abinoto Dédé. Pour la première place, voilà. Voilà, ça c'est comme ça. Ici, sur le plateau de GPL au soleil, c'est comme ça que cela se passe. On gâte les enfants tout simplement. Hein. Tous les enfants
tous ceux qui ont participé à Soleil d'été vont être aussi gâtés. On va continuer avec la distribution, mais calmement, et pour tous nos enfants. Alors, ce qu'on va faire pour l'instant, on va demander à nos gagnants de s'écarter un petit peu. Mais je crois qu'il y a d'autres cadeaux à venir, si je ne me trompe. Il y a d'autres cadeaux à venir. Voilà, des cadeaux pour nos juges. Ils ont été formidables. Eric, c'est bien ça? Ah ben voilà, Diana. Et puis, Fête Naël. Merci de les applaudir encore une fois. Merci, Fête Naël. Diana, merci. Voilà, merci. Ouais, je crois qu'il y a un tout dernier cadeau à moi que je vais partager avec Samantha Cola. Le cadeau de Samantha. Voilà, Samantha. Voilà, très bien. Ok, donc c'est comme ça que ça se passe. Donc je redis un grand merci. Un grand merci. Je redis un grand merci à Mme Noisy. Je l'embrasse vraiment, hein. Merci beaucoup. Elle est formidable, elle est superbe. Merci. Et Maître Ansel, merci encore. Merci beaucoup et transmettez mes remerciements. Voilà, merci beaucoup. Tampico, merci beaucoup. Merci Grand XSA. Globotech est quelque part. Non, ils sont partis. Samantha, merci. Sodipal, venez par là. Venez, je vous dis merci à tous. Donc ils étaient 20 récemment, il y a 10 cadeaux pour les 10 autres. Est-ce qu'ils sont dans les parages? Les 10 autres hein, qui sont restés en route. Venez par là. Allez-y. Voilà. Donc alors là, je crois qu'il faut vraiment faire de la place pour permettre à nos amis de Sodipal de gâter les enfants à leur tour. Alors merci encore, hein. Merci beaucoup. Maintenant j'appelle mes enfants de Soleil d'été l'un après l'autre, pas de bouscule, tu viens là. Voilà, amis téléspectateurs, c'est ainsi et ici que nous mettons fin à cette 6e édition de Soleil d'été. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine, si Dieu le veut bien. Et comme d'habitude, nous allons terminer en beauté avec tous nos amis qui sont sur ce plateau, nos sponsors, Pain de Vie, les juges, les clowns, les gagnants, tout le monde, on va danser. Moi aussi, d'ailleurs, je vais danser. On va papillon, on va fléchicorps. Allez, tenez bon. Radio Télé Soleil vous aime, mais mieux que ça, c'est le Seigneur qui vous aime. Je vous dis au revoir et à l'année prochaine. Soleil d'été, soleil d'été, soleil d'été, soleil d'été, soleil. Soleil d'été, soleil d'été, soleil d'été, soleil d'été, soleil. Soleil d'été, soleil d'été. Soleil d'été, soleil d'été, soleil. Soleil d'été, soleil d'été. Soleil d'été, soleil d'été, soleil. Ou à mettre un pied devant, quitter la planète. Ou à faire un petit cachet, et puis on va le danser. Ou à mettre un pied devant, quitter la planète. Ou à faire un petit carré, et puis on va le danser. Limbo, 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 limbo. La lose, gaye, a, o, i, a, o, i,
papillon, papi, papillon, papi, papillon, papi, papillon, papi, papi, papillon, 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 papi, balancez à gauche, balancez à droite, mettez vos devant, vous parlez de chicon. Balancez à gauche, balancez à droite, mettez mon devant, on parle de chicane. Fais chier, balancez à gauche, balancez à droite, mettez mon devant, on parle de chicane. Balancez à gauche, balancez à droite. Mettez mon devant, nous parlons de chicane. Bon, fais chier, bon, fais chicane, bon, fais chicane, bon, fais chicane, bon. Yon ti dami,